Voilà la vidéo en histoire sur le voyage de Fernand de Magellan. Vers la route des épices. À la recherche d'un passage rapide vers la route des épices, le portugais Magellan part le 20 septembre 1519 avec 265 hommes et 5 navires. Le détroit de Magellan. Il explore la côte de l'Amérique du Sud, puis découvre un détroit, le détroit de Magellan, qui ouvre la route de l'Atlantique au Pacifique. Il mettra 110 jours à traverser le Pacifique, dans des conditions très pénibles, famine, scorbut. Mort de Magellan. Magellan est tué aux Philippines, mais les navires poursuivent leur route. Le 6 septembre 1522, 18 hommes et un seul bateau sont de retour, réalisant ainsi le premier tour du monde. La Terre est ronde. Si le passage n'est pas très intéressant, car trop dangereux pour la navigation, l'expédition de Magellan a démontré que la Terre est ronde. Maintenant, c'est à toi de jouer.